Bien le bonjour, les premières. Alors comme promis, je vais vous présenter une étude du texte 12, c'est-à-dire le 12e dans notre liste, mais pas le 12e de Montaigne, bien sûr. Je vous rappelle que la liste se trouve dans Français, ressources, premières, etc., etc., que vous avez tous les textes en Google Doc et en PDF. Et donc c'est là-dessus que vous appuierez au bac. Donc moi, c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour faire l'étude du passage que nous étudions pour l'instant dans Les Cannibales, qui est le premier extrait de Montaigne. Je vous affiche ici le motto, la devise, le viatique que Montaigne s'était donné. Que sais-je? Une grande question sur la question de la connaissance, mais aussi du sujet, c'est-à-dire moi en tant que personne, qu'est-ce qui m'est permis de savoir vraiment? Et comment je peux le savoir si je n'ai pas douté un minimum? C'est bien pour ça que ce motto se présente sous la forme d'une question et nous montre toute l'influence du scepticisme. Vous ferez bien attention à l'écriture de ce mot qui commence par SC. Si vous l'oubliez, vous nous emmenez du côté des fausses sceptiques, c'est-à-dire dans un tout autre domaine. Donc ça, bien sûr, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, vous? Votre texte, bien sûr, alors qu'il soit sous cette forme, ou alors dans le livret que vous avez récupéré, ou toute autre forme. Simplement, sachez que le livret qu'on utilise contient une traduction assez récente et que vous ne trouverez pas la même sur Internet, puisqu'il y a des droits sur les traductions. Donc vous trouverez le texte original de Montaigne, plus ou moins bien retranscrit, mais vous trouverez difficilement exactement le même texte. Bon, c'est des petits détails, mais bon, on n'a qu'à partir du même texte, ce sera beaucoup plus simple. Je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer une photo, j'ai trouvé là aussi sur Wikipédia, du bureau de Montaigne, sans les livres, ce qui est un petit peu dommage, et avec une statue, ce qui est encore pire. Je ne pense pas que Montaigne serait ravi d'avoir sa propre statue dans son bureau, j'en sais rien. Mais pour moi, ça ne ressemble pas au bonhomme. Toujours est-il que nous allons commencer par rappeler notre problématique, repérer les étapes du texte, en nous appuyant bien sûr sur votre livret que vous avez obtenu par le lycée, entre les pages 18 et 21, si je ne me trompe, vous avez toute une analyse qui est très cohérente et sur laquelle on va s'appuyer. Voilà, donc c'est parti. Prenez de quoi prendre des notes, bien sûr, et on démarre. Alors, prenez le temps, s'il vous plaît, de relire la petite présentation qui commence à la page 16 dans votre livret, notamment pour bien comprendre les digressions qui ont précédé l'introduction de cette nouvelle thématique qui est la question de la barbarie. Donc le passage sur lequel nous on est, dans lequel on se trouve, pardon, c'est le passage qui porte sur la question de ce que c'est qu'être barbare ou pas, et c'est celui qu'on étudie, qu'on présente au bac, mais vous avez aussi toute une série de choses qui vont vous servir, notamment pour comprendre qu'avant de revenir à son sujet, il a quand même fait un certain nombre de digressions sur les empires du passé qui ont disparu ou qui sont supposés avoir disparu, tels que les auteurs antiques le racontent. Il a également introduit l'idée d'une forme d'instabilité du monde. Le monde même peut s'écrouler face à des éléments, face à l'érosion, etc., etc. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend. C'est la question de la relativité des choses. Mais attention, qui dit relativité ne dit pas « tout se vaut ». C'est plutôt la question de savoir comment peut-on réellement savoir quelque chose. Alors voilà le passage, ici, qui nous intéresse, c'est le zoom sur, et donc vous avez un certain nombre de conseils, une intro et une problématique qui est, ma foi, très claire, c'est comment Montaigne inverse-t-il les valeurs européennes, on va dire, pour faire l'éloge du sauvage. Alors dans du sauvage, je vous invite à voir deux choses. La personne, le sauvage, cet individu qui est considéré comme sauvage parce qu'il sort de la forêt, ou qu'il y vit. Je vous rappelle pour la xème fois que le mot sauvage vient directement d'un mot latin qui désigne la forêt, Silva. Donc ici, ça a même donné un prénom aussi, Sylvain. C'est un collègue. Effectivement, il est un peu barbare. Bon, c'est une blague, hein, elle est très, très mauvaise, désolé. Donc vous avez des références à la personne aussi bien que à la nature de ce qui est sauvage. Le sauvage, comme je dis, il y a la politique, c'est la mise en œuvre du politique. Il y a le politique, cette dimension de l'expérience humaine. Dans le concept de sauvagerie, ce qui est sauvage. Donc faire l'éloge aussi
on a envie de dire, de la sauvagerie ou du sauvage, de ce qui a un caractère sauvage. C'est bien pour ça que vous avez des guillemets. Donc ce n'est pas seulement l'éloge d'individus, c'est aussi l'éloge d'un mode de vie, d'une manière d'être. Donc ça, il faut que vous l'ayez compris au moment où vous entrez dans notre problématique. Une fois que c'est fait, on va reprendre tout simplement le découpage qui est proposé dans votre livret, donc à la page 19 et 20. Je vais vous le montrer directement, ça vous permettra de gagner du temps. Donc la première étape qui vous est proposée, c'est celle qui va de la ligne ici, dans mon document, jusqu'à « De toute chose ». Voilà, c'est une sorte d'introduction au cours de laquelle Montaigne non seulement revient à son sujet, mais entreprend déjà de renverser, de retourner le sens du mot « barbare », enfin le sens des mots « barbare » et « sauvage », et ironise d'entrée de jeu sur la prétention des Européens à savoir les choses, à être dans le vrai, le juste, le bon. Donc tout le contraire de l'attitude d'un sceptique comme lui, qui pense que le doute est nécessaire pour progresser. Donc, cette première étape est importante parce que non seulement elle introduit le concept, mais elle introduit aussi la tonalité de tout ce qui va suivre. La deuxième étape, c'est une longue métaphore filée autour du fruit et de la question de ce qui est naturel ou pas. On s'arrêterait en gros ici, à la ligne 32 dans mon document, par le dernier. Voilà. Et c'est une longue métaphore dans laquelle on fait l'éloge de ce qui est naturel, à l'état naturel, et considéré comme vertueux, donc, par opposition à ce qui est artificiel, qui est conçu par l'homme, et qui est considéré comme abattardi, moins bon que ce que la nature avait elle-même produit. Donc c'est une sorte de digression extrêmement importante pour pouvoir introduire la dernière partie, c'est-à-dire un retour à la question de la barbarie, après cette digression qui est en fait une tentative de redéfinition de ce qu'on met derrière le mot « sauvage ». Et il y revient justement en montrant que lui, ce qu'il appelle « sauvage », finalement, c'est « naturel ». Et ce qui désigne l'expérience, cette fois-ci, des Européens, est « sauvage » dans le sens de barbare, de violent, d'abattardi par des artifices, etc., etc. Donc il y a un renversement complet du début à la fin. Il est annoncé dans la première partie. Il est, en quelque sorte, préparé par plus qu'une digression, mais un long développement sur la question de la nature par opposition à la, entre guillemets, culture, ou par opposition à l'artifice. Et puis, il est finalement posé comme un guide pour tout le reste, c'est-à-dire donnons le sens qu'il se doit au mot de barbare et de sauvage, et essayons d'y voir justement ce qu'il y a de positif et d'essentiel pour notre compréhension à nous du monde, dans une attitude de doute par rapport à nous-mêmes. Voilà un petit peu la manière dont ce texte se déploie, et propose donc un renversement des valeurs qui sont les valeurs du temps de Montaigne. Il faut imaginer Montaigne face à une assemblée de gens qui sont persuadés que ce qu'ils sont en train de faire est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal d'aller au Brésil et d'exploiter les richesses et, au passage, les hommes, parce que nous autres sommes investis d'une mission divine et nous sommes les plus proches de la vérité, etc., etc. Donc évidemment, Montaigne propose une attitude pas tant agressive que ça, mais il s'oppose à ça par la question du doute. Voilà ce qui peut vous servir de point de départ pour la compréhension d'ensemble du texte. Passons maintenant à l'étude de chaque petite partie, on pourrait dire, du texte. Là aussi, je vais m'appuyer sur les remarques de votre merveilleux petit livret. Voilà, ça c'était un point de départ.